Mesdames, messieurs, de retour du bout du monde, Marie-Soleil Tougan! Quel plaisir de vous revoir, Marie-Soleil. Ben, c'est un plaisir pour moi. Où étiez-vous passé? Là. Oula, tout à fait en dessous. Oui, à l'autre bout du monde. Et j'ai fait un voyage extraordinaire. Toute seule à l'autre bout du monde, et j'ai fait un voyage extraordinaire. Toute seule à l'autre bout. Je veux savoir ce que vous fuyiez quand vous êtes partie d'ici, ou qui vous fuyiez quand vous êtes partie d'ici. Alliez-vous noyer un chagrin d'amour? Cherchiez-vous une nouvelle flamme? Pas du tout. Et pourquoi vous êtes allé si loin? Vous n'auriez pas pu aller, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, aller voir grimper la tour olympique ou aller voir... J'avais 2 mois de vacances pour la première fois de ma vie et j'ai décidé d'en profiter. Ouais. J'avais peur de m'en aller en Asie ou en Amérique du Sud toute seule. Ouais. J'ai dit, je vais aller en Australie. Êtes-vous vraiment allée toute seule? Absolument. Je ne suis pas restée toute seule, par exemple. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que je suis restée toute seule. J'ai rencontré des tas de gens. Je couchais dans des endroits où on partageait une chambre à 5-6. Alors, ben là, il faudrait que vous vous décidiez parce que j'ai reçu des cartes postales ici puis des lettres personnelles disant « Je couche seul ». Oui ou non? Avez-vous écrit ça, oui ou non? Non. Je dors à la belle étoile seul. J'ai reçu. Oui, dans mon sac de couchage, j'étais seule. Mais j'étais pas toute seule. J'ai rencontré des gens. J'ai moyen d'avoir l'heure juste avec des femmes. Non, j'ai rencontré. Ils sont d'accord. J'ai des preuves à l'appui. Qu'est-ce que c'est? Alors, OK, on commence le tour du monde? Ben oui, okay. Parce que je suis pas allée seulement en Australie. J'ai commencé avec une semaine aux îles Fidji. Les îles Fidji? En plein Pacifique. Je sais. Et c'est ça, les îles Fidji? Ça, c'est l'île, la petite île sur laquelle je me suis retrouvée. On faisait le tour à pied en 15 minutes. Hein, ça coûtait 15 $ par jour. Pour faire le tour à pied? 3 repas compris. Ah, pour 15 $ par jour pour habiter cette île. Pour coucher et manger 3 repas. J'ai pas vu d'hôtel là-dessus. Vous allez voir la douche pas longtemps. Je tourne après, la page. Oui. Je les ai pas vues, les photos. Hein. Non. Pour moi, c'est un choc. Hein. Alors, c'est un choc. OK, qu'est-ce que c'est, ça? Non, ça, ça va comme ça. Non, mais qui a placé? Qui est arrivé avec les photos? Comme ça. Parce que l'année prochaine, ça va être beau. Ça, c'est mon nouveau look, en fait. Mon Dieu, à qui ressemble le grand blond? Il ressemble au mannequin qu'on a, là. Comment il s'appelle, le gars, là, le journaliste, là? Oui, je voulais pas le dire, mais... T'es allé avec Michel Girouard aux îles Fidji. Enfin, c'est lui, je le reconnais. Bon. Je le connais. Oui, ça, c'était donc un soir aux îles Fidji, on s'est fait un cannibal party. Un quoi? Cannibal party. Là, sans rougir et sans omettre un mot. Dites-moi ce qui se passait dans ce party de cannibales. On s'est déguisé en cannibale. Racontez-moi le menu. Probablement du riz au curry. Parce que c'est à peu près tout ce qu'on mangeait sur cette île-là. Du riz au curry. Au curry. Au curry. OK. Je tourne. Oui. Okay, c'est la douche. Ça, c'est la douche. Oui. Ça coûtait 15$, hein? Alors, faut pas s'attendre à avoir du luxe. Ça passe chez nous, ça. Il y avait un réservoir ici. Oui, sûrement. Oui. Un réservoir avec de l'eau salée et de l'eau de pluie. On prenait notre douche à l'eau salée. Au bout d'une semaine, tu te sens pas propre. Effectivement, ça colle un peu. Oui. Hein? Ah, c'est bon. Et c'est, nous sommes toujours aux îles Fidji? Oui. Okay. Nous sommes rendus en Nouvelle-Zélande. Comme vous voyez, il y a de la neige. Il y a de la neige en Nouvelle-Zélande? Je suis rendue à 3875 pieds d'altitude au-dessus du niveau de la mer. Ouais. Je viens de faire un trekking de 54 km, une randonnée pédestre dans une forêt tropicale. Ouais. 54 km avec mon sac à dos. Là, le sac à dos était enlevé parce que j'étais épuisée. J'avais les pieds en sang. La nuit, les jambes me réveillaient tellement. La douleur que j'avais aux jambes, ça me réveillait. C'était insupportable. Je dormais pas parce qu'il y avait plein de ronfleurs. On était 40 à dormir dans des espèces de... Elle était seule, mais Alibaba, il est 40 voleurs, c'est ça. Okay, j'étais seule, mais j'étais 40. Oui, c'est parfait. Je tourne la prochaine image. Nous nous retrouvons maintenant. On tourne?
Voilà, en croisière de pêche. En croisière de pêche. Toujours à la fin des 54 kilomètres. Et nous sommes où, là, dans quelle partie du monde? En Nouvelle-Zélande, sur l'île du Sud. Ouais. Et je suis la seule de toute la croisière à avoir pêché un poisson comestible. J'étais très fière, toujours les bras en l'air. Quelle est la différence entre un poisson comestible et un poisson non comestible? Ils se mangent, vous allez dire? Ils sont poisons, les non comestibles. Mais comment, à quoi vous les reconnaissez? Les gens sur le bateau de pêche. C'est des poissons femelles? On va vous engager comme mannequin, moi. Vous allez voir. Les gens sur le bateau les connaissent. OK, d'accord. Parfait. Ah, je reconnais les copains. Je suis en Australie. Je reconnais... Ah, ben, non, les copains, c'est en dessous. OK. Racontez, là, vous êtes en Australie. Il y a des chameaux en Australie. Il y a assez de chameaux, Jean-Pierre, en Australie, que Israël les importe d'Australie. Ah oui? Oui. Ah bon? Alors... Je suis en plein cœur du... Je me demande ici où est-ce qu'ils les prennent. Je sais pas. D'accord. Je suis en plein cœur du désert rouge. Ouais. Oh, en Australie, j'ai fait un tour de chameau. C'est là que j'ai fait un safari camping. J'ai escaladé Ayers Rock. C'est ça, j'ai reçu une carte postale de Ayers Rock. Mais vous allez me voir à la prochaine. Je vais la voir. C'est ça? C'est le lever du soleil sur Ayers Rock. Voilà, c'est ça. Ça, quand je voyais les photos de cette roche, parce que c'est la plus grosse roche du monde, hein, c'est pas un agrégat de plusieurs petites roches, c'est une seule grosse roche. C'est un gros caillou. La plus grosse du monde, ça a 600 millions d'années. Et je voyais, moi, sur les photos, des gens qui escaladaient puis qui s'aidaient de la chaîne. Je me disais, mon Dieu, la chaîne, c'est pour les vieux. Quelle est la hauteur de cette roche? Je me souviens plus, je pense que c'est comme 400 mètres. C'est pas si haut que ça, sauf que c'est... C'est bien difficile, c'est une grosse roche vivante. Avez-vous déjà eu peur, mon chéri? Un kangourou! Ben oui, c'est correct, quoi. Vous n'avez jamais vu ça? Ben... Tu vas à Grande Bay, il y en a, là. C'est des vrais kangourous que j'ai nourris. Ouais. Et c'était une bien belle expérience. Le gars qui a pris la photo, il n'a pas pris le chien kangourou, lui. Hein? Je veux dire, il a pris un coup, parce que là, vous étiez en dehors de la photo. C'est le kangourou qui s'en allait. C'est difficile à contrôler. Est-ce que vous avez eu peur, Marie-Soleil, à un moment donné? Avez-vous eu peur? J'ai pas juste eu des bonnes expériences. OK, raconte les mauvaises. En fait, le mauvais, c'est peut-être... Bon, j'ai eu des craintes en plongée sous-marine, par exemple. C'était la première fois que j'ai fait de la plongée sous-marine. Je suis descendue à 20 mètres de profondeur. C'est vous, ça? Oui, c'est moi. J'ai l'air d'avoir 8 ans et demi là-dessus, à peu près. Je suis descendue à 20 mètres de profondeur. C'est 65 pieds, ça. Ouais. Il y avait des requins. Il y avait des barracudas. Ouais. Je les ai pas vus. On me l'a dit. Moi, j'ai vu juste les beaux coraux, les beaux poissons de toutes les couleurs. Ça a été, là, fabuleux. J'ai eu peur. J'ai eu peur les premières nuits où je me retrouvais dans une chambre avec des gars, puis je me disais, pas sûr que je veux coucher avec des gars, moi, dans ma chambre. La sécurité, ça allait. Ça allait. Il paraît que j'ai fait des choses dangereuses. Je suis sortie dans les bars à Melbourne, toute seule. On m'a dit que ça se faisait pas. Et même à Montréal, ça se fait pas. Je me suis même fait pincer les fesses. Ah, ben ça se fait à Montréal. Ouais, ben ça, moi, je me suis jamais fait faire ça. Ça se fait ici. Moi, je me suis jamais fait faire ça. Et je ne l'ai pas pris. J'ai été insultée. Quelle a été votre réaction? J'ai dit, « Hey, you! Keep your hands off my butt! Il faut aller vite. Il nous reste une minute. Avez-vous assez d'argent? Oui. J'avais un budget de 40 $ par jour. Je l'ai respecté. Le referiez-vous? N'importe quand, demain matin. Parle-moi du Salon de la jeunesse. Je suis là demain. Et jeudi à 2h30 pour la comédie musicale Éduc'alcool, la modération a bien meilleur goût avec Pascal, Geneviève, Martine, Steve et Frédéric qui font un travail extraordinaire sous la direction de Sophie Lafleur, des productions Prépare. À part de ça, on est en plein tournage de Chop Suey pour la prochaine saison. Ça va bien. La prochaine saison, là, c'est pas vraiment pas une cinquième saison étirée en sixième. Il va se passer des choses pas mal spéciales. Il y a un autre gros truc qui s'en vient, Opération Enfant Soleil, je pense. Opération Enfant Soleil, le 30-31 mai. Ouais. 24 heures de co-animation avec mon grand chum Francis Rébé. Mm-hmm. Et en plus, cet été, pour la première fois de ma vie, je vais être au théâtre. Vous allez faire quoi? À Drummondville, théâtre d'été, avec Louis-Georges Gérard et Benoît Brière, une comédie qui s'appelle Faux départ, mise en scène par Denis Bouchard et produite par Marcel Leboeuf. Il y a déjà des billets qui sont vendus, alors je suis très excitée à propos de tout ça. Partir deux mois et revenir, quelle sensation ça fait? Êtes-vous contente d'être de retour? Oui, je suis contente d'être de retour, c'est certain. Ça donne un... J'ai
Le lendemain de mon arrivée, j'avais l'impression que ça faisait déjà longtemps que j'étais revenue. Ah. Alors, avez-vous envie de repartir, aller voir ailleurs? Quand j'appelais régulièrement. Puis quand j'appelais, je disais, première chance que j'ai, je repars. Merci beaucoup, Marie-Soleil. Merci, Jean-Pierre. Marie-Soleil Touga, mesdames et messieurs, une publicité en vrai. Mesdames, messieurs, voici notre joueur local, de réputation locale, Monsieur Snapper! Tiens, bon, on a vos meneuses de claque, Monsieur Snapper. Ils sont là, vos meneuses de claque. Monsieur... Ça va? Ça va très bien. Marie-Soleil Touga. Monsieur Snapper, qu'est-ce qui vous a amené au football, Monsieur Snapper? La première fois, c'est mon père qui m'a donné un lift. Là. Bon, mais OK, mais écoutez, on va aller dans quelque chose d'un tout petit peu plus simple. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'équipement, par exemple, pour... C'est pas, il me semble que... Ça devrait. Oui. Premièrement, l'équipement, c'est important de le laver à l'occasion, là. Non, parce que sinon, il devient croustillant. Le mot est juste. Il y a aussi des souliers à crampons, là. Le monde ne savent pas tout le temps c'est pourquoi, mais c'est parce que des fois, les adversaires, ils transpirent, puis la peau devient glissante, là. Fait que si tu piles dessus, c'est important d'avoir des crampons. Il y a le casque. Le casque, c'est ce qui nous donne le plus de misère au début à l'entraînement. Là. C'est bien dur d'apprendre à cracher sans accrocher ça. Là. C'est bien dur. Oui, contre le vent surtout. Là. Ouais. En courant aussi. Contrairement à ce que le monde pense, ça, c'est pas pour protéger, là. C'est comme une poignée pour mettre la face des gars dans la boîte, là. Ah oui! C'est vrai, oui. C'est pas pour ça. Et puis, oui. C'est bien important, ça, de porter le casque, parce que moi, une fois, j'ai joué podcast et ça m'a subi une dislocation du cerveau. Oh oui, 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 oui! Oui. Ils ont été obligés de m'opérer, d'ouvrir ça, d'enlever le cerveau, puis de travailler dessus pour le réparer. Oui, mais là, c'est complètement... Ils l'ont oublié sa table? Je ne sais pas s'ils l'ont oublié sa table. Est-ce qu'ils l'ont oublié sa table, puis c'est complètement guéri, là? Ben, c'est parce que j'attends qu'ils me rappellent, là, pour le reposer, là. Ben, du fun, un autre une autre pièce d'équipement dont on parle pas souvent, c'est le terrain. C'est utile, ça. Ce qui est extraordinaire avec un terrain de foot de base, c'est que c'est fait juste la bonne grandeur pour rentrer dans un stade, tu sais. Est-ce qu'il y a une différence pour vous entre le gazon naturel et le gazon synthétique, M. Snapper? C'est surtout le goût. C'est pas pareil. Justement, vous savez, de votre fan club est là, là. Le noir en dessous des yeux, qu'est-ce que c'est le noir en dessous des yeux? Ah, c'est parce que je dors pas beaucoup, là, ce temps-là. Est-ce que vous avez... Je viens de la pogner, le cerveau s'en tape, là. Je viens de la pogner. Est-ce que vous avez un régime particulier? Il faudra décrocher, elle, là, parce que là, ça va, là. Restez pogné après le placement, là. Est-ce que vous avez un régime particulier avant un match? Ouais, on a un régime très sévère comme moi. Avant un match, je fais bien attention, là. Je mange un poulet, une douzaine d'œufs, un pain, 5 livres de patates en robe de soirée, une rangée de biscuits aux chipettes de chocolat, puis un Coke diète. Oui, c'est bon. Est-ce que, comme plusieurs joueurs, vous êtes payé en dollars américains pour M. Snapper? Non, moi, c'est plus en change canadien, là. Je veux savoir, M. Snapper, l'exploit dont vous êtes le plus fier? Je dirais une course de toucher de 160 verges.
Oui, mais un terrain, ça a moins que ça. Un terrain, quoi, ça a 100 verges, un terrain? Oui, c'est parce que j'ai couru 60 verges du mauvais bord, puis là, après ça, je me suis parti les verges. Monsieur Snapper, est-ce que vous trouvez qu'il y a une grosse différence entre le hockey puis le football? Ouais, ben le football, il y a pas de différence. Selon moi, c'est bien pareil, sauf que nous autres, il n'y a pas de glace, il n'y a pas de but, il n'y a pas de patin, il n'y a pas de rondelle, les lignes sont toutes de la même couleur. Finalement, je m'écoute parler puis ça ressemble plus que je pensais, là. Est-ce que, puisqu'on en parle, est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui s'en viennent, M. Snapper, pour vous? Cette année, à Montréal, au football, on va avoir le World Bowl, en français, le bol mondial. Ils font ça à Montréal, je pense, parce que le stade a l'air comme un bol de toilette, là. C'est soit ça ou ben donc on va se faire flusher bientôt. une autre affaire, je suis en train de préparer une télésérie qui va ressembler à l'Ancien Compte, sauf que ça sera pas en tout pareil. Ah oui, comment ça va s'appeler? Ça va s'appeler Kick Pis Bûche. Ah bon, c'est bon. Ben, écoutez, on va surveiller ça de près. Je vous remercie beaucoup, M. Snapper, puis je vous invite à nous revenir bientôt. Ben, je vous remercie. C'était M. Snapper, mesdames et messieurs.